Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser un upsell, c'est-à-dire une petite vente supplémentaire qui peut avoir un énorme impact sur votre chiffre d'affaires. La dernière fois que j'ai tenté d'utiliser la tactique de l'upsell, j'ai réalisé une progression de chiffre d'affaires de 22%. C'était sur mon blog dédié au tir sportif que je me suis amusé à relancer il y a quelques mois. J'ai proposé un e-book à 17€ et un petit upsell à 10€. Et le gain généré par ce petit produit supplémentaire à 10€ est équivalent à quasiment 25% de chiffre d'affaires en plus. C'est donc quelque chose que je vous encourage réellement à essayer sur votre blog. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer trois façons différentes de faire des upsells, mais je vais également vous parler des différents types d'upsells que vous pouvez proposer. Alors déjà, un upsell, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, le principe, il est extrêmement simple. Vous l'avez déjà vécu. C'est exactement ce qui se passe quand vous allez par exemple au McDonald's, que vous commandez votre menu et qu'à la fin, on vous propose de prendre un café en plus. Donc, vous allez payer votre menu 8 ou 9€ et la machine, au moment où vous composez votre menu, au dernier moment, va vous dire voilà, pour 70 centimes de plus, pour 1€ de plus, vous pouvez avoir un café. Et l'upsell, c'est donc une petite vente en plus qui est proposée au dernier moment. Et il faut bien se rendre compte qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont choisir la formule complète et que l'impact en termes de chiffre d'affaires pour votre business est vraiment important. Et c'est tellement facile à faire que je vous encourage réellement à essayer. Alors déjà, quels sont les différents types d'upsell que vous pouvez proposer? Eh bien, si vous avez un e-book, le plus simple, par exemple, c'est d'enregistrer l'audio de cet e-book. Moi, c'est ce que j'ai fait dans l'exemple que je vous ai présenté au début de cette vidéo. Donc, j'ai relancé un de mes anciens e-books qui faisait une centaine de pages sur mon blog dédié au tir sportif. Je l'ai proposé à 17€ et j'ai tout simplement pris une demi-journée pour enregistrer le contenu de cet e-book dans un fichier audio. Et donc, j'ai proposé aux gens d'acheter l'e-book et ceux qui le souhaitaient pouvaient avoir l'e-book plus le fichier audio, ce qui leur permettait de l'écouter dans leur voiture ou dans le métro, etc., etc. Il y a des gens qui apprécient ça. Et encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont acheté la version complète. Donc, si vous avez un e-book, proposez déjà une version audio de cet e-book. Alors, si votre e-book contient énormément de pages, vous n'êtes pas obligé de l'enregistrer vous-même. Vous pouvez facilement trouver des prestataires qui vous le feront. Par exemple, sur un site comme Fiverr, vous trouverez des gens qui vous feront de la transcription audio sans le moindre problème. Un autre élément que vous pouvez tout à fait vendre en upsell, c'est du support. Imaginez que vous ayez une formation que vous vendez 100 ou 200€. Eh bien, vous pouvez tout à fait mettre en place un service de hotline que vous allez facturer une vingtaine ou une trentaine d'euros supplémentaires. Et vous allez pouvoir expliquer à vos clients que ceux qui choisissent l'upsell pourront avoir un support par téléphone illimité pendant une période de temps, par exemple. Là aussi, on se rend compte que le coût pour vous est extrêmement faible puisqu'il suffit que vous preniez une offre minimum chez n'importe quel opérateur à moins de 5€ par mois et vous pouvez même utiliser un de vos anciens téléphones portables à cet effet de manière à ne pas donner comme ça vos coordonnées personnelles à n'importe qui. Et ainsi, vous pouvez proposer aux gens de vous joindre sur ce numéro ou alors vous pouvez tout simplement l'organiser par Skype. En fait, on se rend compte que la quantité de choses qu'on peut offrir en upsell est tout à fait importante puisque vous pouvez aussi créer du contenu supplémentaire dans votre produit sous la forme d'un fichier audio, ce qui est extrêmement rapide à faire. Ou alors, si vous disposez d'un espace abonnement, vous pouvez offrir à prix réduit 3, 4, 5, 6 mois d'accès à votre espace abonnement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parmi votre audience, il y a des gens qui sont toujours prêts à avoir le meilleur. Il y a des gens qui vont toujours acheter la voiture avec toutes les options. C'est exactement la même chose quand on choisit un smartphone. Il y a des gens qui vont toujours prendre le modèle le plus haut de gamme, même s'ils ne vont pas forcément utiliser l'ensemble des fonctions de cet appareil, simplement pour le plaisir de posséder la version ultime de ce qui existe sur le marché. Donc comme je vous le disais, les upsells, c'est un moyen extrêmement facile d'augmenter votre chiffre d'affaires. Maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est trois façons de les présenter sur votre blog. On y va tout de suite avec la première manière qui est celle de la page sandwich. Je vais vous montrer ça en vidéo graphique. Donc je vais vous montrer la technique de la page sandwich. C'est très simple, mais c'est très efficace. Donc vous faites votre page de vente classique. Donc ça, on va dire que c'est votre page de vente. Avec votre argumentaire, voilà, vous présentez votre produit, ses caractéristiques, les résultats, etc., etc. Et en bas de la page, on est d'accord, normalement, vous avez un bouton commander, ok, que je fais ici en hachuré. Eh bien, l'astuce, c'est que au lieu d'envoyer votre bouton commander directement vers un formulaire,
Vous allez le renvoyer vers une page intermédiaire, c'est-à-dire une page sandwich que vous allez créer sur votre blog. Donc quand on va cliquer sur le bouton, on va arriver sur une page ici qui va dire aux gens, attendez, vous avez deux options. Vous avez deux options. L'option A, c'est le produit de base. Et l'option B, c'est le produit de base, plus l'upsell, plus le petit bonus, plus le petit fichier audio, bref, plus le petit coaching, enfin bref, plus votre upsell. Et là, vous mettez le bouton commander ici qui renvoie vers le prix de base, le prix du produit sans upsell, le prix du produit A. Et là, vous avez votre bouton qui renvoie vers le formulaire B, qui est le prix plus l'upsell. Donc si vous avez un e-book, par exemple, ici vous l'avez à 17, et là vous avez donc le 17 plus 10 égale 27. Donc ça, c'est la technique de la page sandwich, où finalement vous venez glisser une page entre votre page de vente et les formulaires de commande. Très facile à faire, vous pouvez le faire avec n'importe quel blog. Maintenant qu'on a vu la technique de la page sandwich, je vais vous montrer la deuxième technique qui consiste tout simplement à présenter une offre or, argent ou bronze directement dans votre page de vente. Maintenant, une autre façon de faire un upsell, c'est tout simplement de présenter l'offre directement dans votre page de vente. Donc si je synthétise votre page de vente, vous avez pareil votre produit, le descriptif du produit, les résultats, etc., etc. Donc vous avez fait votre belle, grande, longue page de vente. Et puis, vous allez présenter, par exemple, deux ou trois offres, hein, parce qu'on peut faire plusieurs upsells, hein, on n'est pas limité. Vous allez faire une offre, par exemple, qu'on va appeler bronze, avec le produit de base. Vous allez faire une offre argent, avec un premier upsell, et puis vous allez faire une offre or, avec un autre upsell. Alors, vous pouvez donner le nom que vous voulez, mais il y a une bonne analogie. Et puis là, vous avez un bouton avec le prix de base pour commander le produit de base. Là, un bouton avec un prix un peu plus élevé pour commander le produit de base plus le premier upsell qui va renvoyer vers un autre formulaire. Et là, vous avez un autre bouton qui va renvoyer vers l'offre la plus complète, celle qui va vous rapporter le plus d'argent. Pour vous montrer ce que j'ai fait sur mon blog de tir sportif, où j'ai testé ça, voici à quoi ressemble cette page. Donc voici la page de vente en question. Donc c'est un argumentaire, page de vente très classique. Et en bas, je propose donc deux offres. Le prix de base de 17 euros pour juste l'ebook et l'ebook plus la transcription audio pour 27 euros, donc l'ebook plus 10 euros. Et enfin, voici maintenant la dernière façon de présenter vos upsells directement avec votre système de gestion de vente. Et donc voici la dernière façon de proposer un upsell à vos clients. On va utiliser votre système de gestion de vente pour créer ce qu'on appelle un order bump. Et en fait, on va rajouter dans le formulaire de commande une case pour acheter l'upsell. Je vous montre comment on fait ça avec Kuneo, c'est le système que j'utilise. C'est un système qui est très efficace. Donc là, c'est la fiche produit de mon ebook. On a bien le prix de base à 17 euros, mais si on va dans la partie formulaire de commande, eh bien j'ai activé ce qu'on appelle un order bump, où je propose la version complète pour 10 euros de plus. Donc ici, j'ai mis un petit blabla là, que l'on va retrouver dans le formulaire. Donc à quoi ça va ressembler concrètement pour le client? Eh bien, lorsqu'il va cliquer sur la page de vente pour acheter son produit à 17 euros, il va arriver sur ce formulaire de commande, voilà, avec les informations classiques, nom, prénom, etc. Et vous voyez, en activant la case Order Bump, il y a cette petite flèche rouge qui apparaît et qui clignote, et le petit texte ici que j'ai créé, voilà, vous voulez en plus de l'ebook la transcription audio pour tout écouter tranquillement. Vous recevrez l'ebook au format PDF, mais en plus la transcription audio du livre à écouter sur votre téléphone, tablette, ordi, pour 27 euros seulement. Donc si les gens sont intéressés, eh bien ils viennent cliquer ici, et donc le prix passe à 27 euros, tout simplement. Donc là, l'upsell est intégré dans le formulaire de commande. C'est la troisième façon que vous pouvez utiliser, qui fonctionne également très bien. Alors en termes de taux de conversion, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Moi, j'avais déjà testé par le passé la page sandwich. Je savais que ça fonctionnait extrêmement bien, mais je voulais vraiment avoir la comparaison entre l'order bump intégré dans le formulaire de commande, ce que je viens de vous montrer, ou alors les différentes offres présentées aux clients, hein, ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la page de vente. Eh bien, le taux de conversion est absolument équivalent dans cet exemple. J'ai pas eu de différence énorme entre les différentes manières de présenter l'upsell à mes clients. Moi, si j'ai une seule chose à vous dire, c'est tout simplement d'essayer.
Le plus rapide, selon moi, c'est de créer en plus un petit fichier audio que vous allez proposer à vos lecteurs. Et ainsi, vous pouvez facilement rajouter 10, 15, 20, 30 euros, voire même plus au prix initial de votre produit et toujours compter sur une part de votre audience pour acheter la version la plus complète qui soit. J'aimerais bien maintenant échanger avec vous en commentaire sur les différents types d'upsells que vous proposez sur votre blog. Est-ce qu'il y en a que vous utilisez dont je n'ai pas forcément parlé? Ça m'intéresserait de pouvoir échanger avec vous à ce sujet-là. Donc n'hésitez pas à partager ça en commentaire avec moi parce que je suis certain qu'il y a plein de choses auxquelles je n'ai pas forcément pensé. Je voulais également vous dire que sous cette vidéo, vous pourrez trouver un lien pour télécharger une formation gratuite d'une heure sur le trafic. Si vous avez un blog et que vous manquez de trafic et que vous en avez assez de publier des articles sans arrêt et de ne pas avoir de résultats, cette vidéo va vous montrer une approche qui est totalement différente et qui va vous permettre d'augmenter l'audience de votre blog. Voilà, je termine simplement cette vidéo en vous demandant de la liker et de la partager si elle vous a plu. Ça permettra aux autres internautes de se rendre compte qu'elle est qualitative. Moi, je vous dis un grand merci et à très bientôt sur Traffic Mania. Ciao.